Et bonjour tout le monde, Soximoze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, quand je vais casser des feuilles, ça va me drop des trucs OP. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de ouf. Ouah, tout le stuff qu'on a déjà. Et le but ça va être de se faire le meilleur stuff possible et de, on va dire, essayer de gagner Minecraft. Donc d'aller dans le Nether et de tuer le dragon sans casser un seul bloc, les amis, juste en cassant des leaves. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les concepts comme ça, les amis. J'en referai plein d'autres. Et c'est parti, les potes. Allez, go, let's go. Et du coup, notre but, c'est de casser uniquement des feuilles. Mais regardez déjà le stuff qu'on a, wesh. On a des butins 3, protection contre le feu, protection contre le feu 4, protection 4, plus 6 points d'armure, ouais. Et là, regardez, plus 3 points d'armure, plus 2 de robustesse, protection contre le feu. Vraiment, là, c'est n'importe quoi. On est déjà presque full stuff, les gars. Regardez, la vidéo vient de commencer. J'ai cassé 2 feuilles et voilà. J'espère qu'il y a des yeux de l'ender et tout aussi. Oh, du diamant! Oh là 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 là, les amis. Graines de betterave. Ouais, ça, on s'en fout. Graines de betterave, ok. Est-ce que les feuilles comme ça donnent plus ou moins de trucs? J'ai l'impression que les feuilles comme ça, regardez, elles donnent pas des trucs de ouf. J'ai un casque, mais il est pas enchant. Par contre, ces feuilles-là, regardez, trucs enchant, beaucoup de choses à chaque fois. Bah, regardez, on peut déjà changer notre... on peut déjà changer notre casque. Et... oh, oh, yeah, une grotte. Bah, il faut pas y aller. J'allais casser pour pouvoir passer, mais ça me drop des trucs. C'est vraiment trop stylé, le concept, les amis. Donc, du coup, il faut... ah, bah, tiens, il y a des sapins, là-bas. Je veux voir, parce que peut-être que les différents types de leaves, eh bien, ça change. Parce qu'on voit, on voit bien que là, quand même, ça donne quand même... regardez, ça donne quand même des trucs cheatés. Voilà. Et à côté, quand tu prends ça... ah, si, ça donne quand même... mais regardez, c'est quand même moins enchant. Il y a peut-être moyen que, suivant les types de leaves, eh bien, ça donne des choses différentes. Donc, on va aller là-bas. Je vois qu'il y a des espèces de sapins, des arbres différents, en tout cas. On va y aller... et d'ailleurs, il y a l'air d'avoir plusieurs arbres différents encore. Et du coup, des feuilles différentes. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça donne des objets tout pétés. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un autre datapack aussi. Parce que là, le datapack, c'est Leaves Art OP ou je sais pas quoi. Donc, les feuilles sont, drop vraiment des trucs OP. Et il y a le datapack inverse. Il y a des trucs, il y a les Leaves qui donnent des trucs vraiment nuls à chier. Genre des blocs de terre ou des trucs comme ça. Donc, à voir. Alors, oh, il y a des lamas! Il y a les petits lamas, regardez. Est-ce que... ah ouais, eux, ils nous crachent dessus si... eh les gars! Ah, ah bah si, ils nous crachent dessus, ok, j'avais pas... je me suis dit, attends, mais ils nous crachent pas dessus en fait. Alors ça, ça donne des quoi? Oh! Ça, ça donne du stuff en or en fait. Malédiction, oh là, malédiction éternelle, malédiction de disparition. Mais attends, ça donne des trucs maudits ici. Et regardez, ça donne de la vieille... ah non, je crois que c'était de la chair putréfiée. Fragment de nésurite. Mais regardez, ça a l'air de donner des trucs moins bien ici, hein. Ça donne plein de trucs en or, ça donne pas de trucs en diamant, en tout cas, pour l'instant. Ça a l'air d'être un peu nul. Protection contre le feu, ah, ça, c'est P4, ça donne 6 points d'armure, et ça, 8 points d'armure. On va prendre ça. Oh, bah, on est déjà full diams, après avoir les bottes qu'on a. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Alors, est-ce qu'on le one-shot? Oh, non! Oh, mais elle est nulle, mon épée! Eh, il faut des arcs cheatés, là! Il faut... mais j'ai vraiment l'impression que ça donne des trucs nuls ici, hein. Regardez, on n'a pas de trucs de ouf, hein. Et on commence à avoir l'inventaire plein en plus. On va aller vers là. On va recasser ces... oh purée, j'ai cru qu'il y avait une petite abeille. J'ai cru qu'il y avait un autre joueur ou je sais pas quoi alors que je joue en solo. Ok, donc on va avoir ces feuilles là. Moi mon but c'est d'avoir des Ender Pearls. Et après bah on désingue tout les gars. Là il faut aller dans l'end, hein. Mais oui, mais là il y a clairement une différence. Là, je casse une feuille, il y a plein de trucs en diamant. Là, vous pouvez pas me dire qu'il y a des trucs qui changent ou je sais pas quoi, là. Enfin, que ça change pas. Malédiction. Oh, mais... attends, par contre, il y a plein de trucs maudits, hein. On a plein de trucs maudits. Regardez, attendez, je vais vider mon inventaire, là, parce que, en soi, tout ça, je m'en fiche un petit peu. Voilà, on va vider tout ça. Tac, 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 tac. Et comme on peut casser des feuilles à l'infini, limite tellement il y en a, voilà. Ah, peut-être les flèches, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a P4, 8 points d'armure, 2 points de robustesse, c'est la même chose. 6 points d'armure, 2 de robustesse, c'est la même chose aussi. Solidité, ouais, ouais, efficacité 5. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle veut la petite abeille? Mais wesh, mais elle me pousse. Non mais,
Non mais ça va pas, petite abeille, toi là. Oh wow, c'est cheaté. Alors par contre, alors ouais, plastron, ça m'intéresse. 8 points d'armure. Ah, il y a épine, je prends. Ça, je prends, les gars. Ça, je prends. Mais il y a pas des under pearls. J'ai l'impression qu'il y a pas. Oh, une épée en diams. Il y a des. Ça m'intéresse, les épées en diams. Raccommodage. Aura de feu 2. Ouh, 7 points d'attaque. 1,6 de vitesse d'attaque. Bon, c'est les mêmes, mais là, il y a. Là, ça donne le feu. Donc, on va faire. Oh, il y a une petite abeille. Eh oui, c'est la ruche là. Elle est énervée, bah regarde. Bam, one shot. Wouah, avec le recul. Eh mais les gars, on va aller dans l'end, on va tout défoncer là. Regardez, mouton grillé. Attention, one shot de mouton grillé. One shot de mouton grillé. Oh là là, c'est trop stylé. Et là, on a encore plein de trucs. On a. Ça donne pas d'underpearl visiblement. Ou c'est peut-être rare. Eh, non, mais là on voit clairement que c'est moins bien les loot ici. Regardez, quand tu casses forcément une feuille d'un chêne. Tout le temps, c'est enchant. Il n'y a pas un seul truc qui n'est pas enchant. Vous voyez, tout le temps, tout est enchant. Là, tu casses par exemple du bouleau, bah c'est moins enchant. Là, c'est enchant, ok. Là, cette épée-là, elle n'est pas enchant. Tu vois, cette épée-là non plus. Ça donne moins de chance. Ah, il y a encore une abeille. On va pas décimer toutes les abeilles, les amis. On va juste leur laisser du stuff aux petites pauvres abeilles. Et il n'y a pas d'autres types d'arbres là, j'aimerais bien aller voir encore ailleurs les amis. Ça m'intrigue trop cet effet d'arbre et tout. Et là il faut se combattre. J'ai des blocs. Mais genre j'ai pas de blocs. Avec tout ce que j'ai cassé, j'ai pas de blocs. J'ai des blocs de fer là, il faut... Voilà ça. Ça je prends ça, voilà, les blocs de fer. Voilà. Oh, obsidienne pleureuse. Ouais, elle est trop stylée cette obsidienne. Elle est super belle. Ah, les nouveaux blocs, ça c'est en 1.17 les gars. Les nouveaux blocs sont trop stylés hein. Je kiffe, je valide en tout cas. Ça c'est validé les guys. C'est validé. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas là? On a les arbres on a les arbres comme ça. Mais eux ils sont pas très très forts. Voilà, j'ai déjà plus de bouffe. Ah oui mais j'ai les... j'ai le fruit des moutons grillés les gars. Voilà. Alors c'est vrai que je les ai pas eu dans les arbres et tout. Mais je crois que ça donne pas de nourriture. Les boucs, je suis sûr qu'ils donnent de la nourriture. Désolé pauvre petit bouc. Oh non, il donne pas de nourriture. Bah donne moi de la nourriture de bouc mon ref. Allez c'est parti. Et là il y a pas de trucs en diamant, c'est que des trucs en or. Oh et ces blocs là, je suis désolé mais ils sont trop beaux. L'obsidienne pleureuse, c'est trop stylé. Il faudrait un arbre de la jungle ou des trucs. Joe. Il faudrait des arbres de la jungle ou des trucs comme ça. Mais là c'est vrai que bon. On peut pas tout avoir non plus les gars. On peut pas tout avoir. Ok. Banks. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a pas énormément de bouffe. Ok. Ah ouais, et il n'y a pas d'arc aussi. On a eu des flèches cheatées, mais il n'y a pas d'arc. Genre, comment tu veux que je fasse pour tuer le dragon? Genre, si j'ai pas d'arc, comment je fais? Peut-être sur d'autres arbres, mais bon. En tout cas, j'ai des sels, des pioches, des. J'ai beaucoup de stuff en diams sur les chaînes. Mais même des émeraudes en plus. Ah ça c'est encore un truc différent non ce sapin là. Non ce sapin là et ce sapin là c'est les mêmes. Faut que j'arrête d'halluciner aussi. Oh une arbalète. Ah mais c'est pas un arc. En plus elle est presque cassée. Bam. Ah oui ok, je ne sais pas me servir d'une arbalète. Et encore une arbalète. Ok. Des flèches mais il n'y a pas d'arc. Ah il n'y a pas d'arc les gars hein. Moi il me faut un arc. Ah mais je peux en crafter un là avec les flèches. Je peux en crafter un les gars. Tac, ficelle, voilà. Et là, ah mais j'ai pas le... L'objectif moi c'est, j'ai pas le droit de... Ça me give pas de bois ici. Parce que j'ai pas le droit de me crafter des trucs ou de casser des blocs. Je dois uniquement casser des leaves. Je dois uniquement casser des leaves les gars. Bon bah écoutez, écoutez je pense que ça sera pas possible du coup. Ou à moins qu'il y a d'autres trucs. Mais en tout cas, eh, franchement les gars, le... Regardez. En tout cas, le data pack est trop stylé. Franchement, j'adore. Ça peut être un bon concept. Puisque, en vrai, de base, les feuilles, qui en a quelque chose à carrer des feuilles? À part que ça fait joli. Tu peux les récolter pour faire des petites haies et tout dans ton monde principal. Où tu fais ta maison et tout. Mais à part ça, enfin, tu les récoltes avec une shears, tu vois. Une paire de ciseaux. Enfin, des cisailles. Mais sinon, ça sert à strictement à rien.
à part donner des petites pousses d'arbres et des pommes dans des chaînes, voilà, ça donne rien d'autre hein, pour moi. Donc en vrai, c'est un super data pack pour un concept. Hein, voilà, si vous voulez faire des trucs entre potes, des défis et tout, franchement, c'est trop drôle. Donc voilà, si vous voulez même vous stuffer en une minute avec ce que vous récoltez et après vous combattre et tout, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Bon, voilà, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Donc voilà, le dragon, bah ça sera pas. On a ni Underpearl, ni voilà, on peut rien faire. Oh waouh waouh, ça pique, ça pique. Aïe aïe aïe, je suis dans les petites baies. Bon bah voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu. Oubliez pas de me proposer des trucs en commentaire si vous voulez, bah voilà, des concepts un peu dans ce style là. Moi j'ai trop kiffé, c'était trop bien. En plus avec les nouveaux blocs là, je kiffe. Mais magnétite, obsidienne pleureuse, là ils sont tous trop stylés ces blocs. Et on va se laisser là, en plus ils font de la lumière. Oh trop bien. Bon les potes, allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oximose pour vous servir. Allez, ciao ciao.